Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je vous présente l'outil multifonction de chez Metabo, la MT18LTX. Allez, c'est parti! Bien, voilà, je me suis acheté l'outil multifonction. Dans cette vidéo, ce que vous allez voir, je ne suis pas sponsorisé. Je suis obligé de mettre une communication, inclus une communication commerciale, c'est les nouvelles règles de YouTube, tout le monde l'a vu. Mais bon, pour moi, ça, je l'ai acheté avec mes propres sous. Du coup, je pourrais dire ce que je veux sur ce produit. Alors, on va le découvrir ensemble. Donc, l'outil multifonction de chez Metabo. Voici la machine avec ses deux batteries. Donc, c'est vrai que le poids, environ 2 kg. Donc, c'est pas trop mal, pas trop lourd. Ensuite, avec cette machine, bien sûr, une autre batterie. Le chargeur. Ici. Et les accessoires. Alors, pour les accessoires, nous avons cette lame ici. On regardera plus précisément après, qui est une lame pour venir gratter. Donc, ensuite, nous avons la scie. L'autre aussi, 2001. Cet outil-là, je reviendrai dessus. Ces deux outils-là, on va dire, c'est des outils avec du diamant, je crois, ou je ne sais plus, c'est un revêtement assez spécifique. C'est par exemple pour enlever les joints des carrelages, pour retirer un carrelage, ou pour poncer de la brique ou des minéraux. Du papier à poncer. La petite semelle pour mon papier à poncer et le système ici. Voilà. D'aspiration qui viendra se mettre sur la machine ici au-dessus avec bien sûr le système à poncer. Allez, on va regarder ça de plus près pour le montage. MT18LTX de chez Metabo. Je vais vous donner quelques caractéristiques quand même. Donc le poids 2 kg, c'est avec des batteries de 18 volts. L'oscillation ici, quand elle va tourner, ça va être entre 7000 tours et 18000 tours. Vous avez le petit variateur qui se trouve ici. Bien sûr, maintenant, on va regarder pour les accessoires qui sont vendus avec. La composition ici, c'est simple, on va parler tarifs. Celle-ci, elle est entre 150 et 500 euros. Si vous avez l'ensemble de tous les accessoires, là j'ai pas tout, mais vous pouvez la trouver à 500 euros avec des batteries beaucoup plus fortes et beaucoup plus longues. Mais le prix de départ, 150 euros. Allez, on va passer au montage. Donc, quelque chose de rapide et de simple. On arrive, on vient amener le levier ici. On enlève ici l'embout, vous voyez, j'ai appuyé à fond, je libère l'embout, j'utilise l'embout que je souhaite. Voilà, je viens remettre ma vis. Et voilà, très rapide, très rigide. Vous voyez, si je la mets ici en route, voilà, j'ai l'oscillation avec les deux LED ici pour l'éclairage. Voilà. Comme je vous disais, c'est quand même assez rapide pour pouvoir changer. Vous voyez, changer l'ustensile. Et bien sûr, ici, alors je ne sais pas si j'ai encore de la colle. Là, j'ai un peu de colle, vous voyez. Et si j'arrive, ici, je vais venir enlever toute cette colle. Bien,
Voilà, c'était un petit exemple. Hein. Vous avez vu, j'ai retiré la colle. C'est assez simple d'utilisation. Donc, on retire ça rapidement. À fond. Bon, c'est neuf, hein, donc j'ai toujours peur de le casser, mais c'est super résistant. On enlève la lame et ensuite, on peut mettre la lame comme on le souhaite, suivant tout l'écran. Ce qui est bien, c'est que cette lame, elle peut être orientable suivant la position où on est. Si on arrive, surtout avec celle-ci, dans un endroit où il faut venir, vous avez énormément de positions pour pouvoir monter cette lame. Bien, voilà la présentation du produit. Ce que je vais faire maintenant, on va faire un test sur une planche en bois. On va faire une découpe carrée dans cette planche en bois. Hein, petite planche facilement. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cet outil-là, ici, la lame ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir découper un carré, pour par exemple une prise, hein, dans pour laisser passer une prise, du placo ou autre, ou du bois. Hein, c'est une lame qui va être utilisée pour le bois. Et ici, je vais vous faire voir qu'avec cette lame aussi, on peut venir insérer une platine dans du bois. Très très simple avec ces outils-là. Allez, on se rapproche et on fait le test de plus près. Bien, voilà, ça y est, j'ai fait quelques essais, vous avez vu, c'était avec cette lame ici, la lame de sillage, la grande lame ici. Cette lame-là de sillage, bon, vous avez vu, hein, pour faire un carré tout simplement, on va venir usiner. Alors, ce que je vous conseille quand vous utilisez des outils, ce type de lame surtout, c'est de venir attaquer d'abord comme ceci pour après revenir dessus. Pas attaquer directement parce que là on risque de glisser tout ça. Donc on vient attaquer avec le côté de la lame et hop, on vient pénétrer dans la pièce. Donc là pour le bois, il ne faut pas chercher. Hein. Vitesse maxi,
Et comme ça coupe super bien, ça fait des petits copeaux, ça coupe super bien. Donc vous avez vu le petit carré. Si jamais on doit venir insérer, bah c'est très simple pour venir insérer des pièces métalliques. Là, je fais sur une planche, mais ça peut être sur des poutres, etc. On va venir avec l'outil faire sa rainure. Et ensuite, j'ai fait un petit test comme ça à la volée pour voir sur, rappelez-vous, je l'utilise de temps en temps, sur du polycarbonate, PC. Non du plexiglas, du polycarbonate. Je le répète, c'est toujours une matière qui est beaucoup plus facile à travailler, qui ne font pas ni rien, qui se travaille au rabot, à la défonceuse, à la scie sous table. Ça, franchement, on arrive très très bien à travailler, ça ne fond pas, ça ne colle pas, enfin, suivant la vitesse bien sûr, mais c'est très très facile d'usiner ce type de matière. Donc là, j'ai fait un essai, vous avez vu, pour insérer une petite charnière dans un des projets où il faudra mettre... Bon là, j'ai pris de l'épée, quoi, mais... Ça peut être du plus fin. Vous voyez, c'est très très simple pour pouvoir venir usiner cette pièce. Alors, ce que je vous conseillerais, par contre, là je l'ai fait à la volée sur des planches comme ça. Ce que je vois, c'est qu'en fait, on va venir, quand vous avez un carré, vous le tracez, vous venez mettre une cale de guidage, et ensuite on prend notre lame et on vient s'appuyer contre, et comme ça on aura vraiment quelque chose de bien droit. Car à la volée, bon. J'ai pas encore l'habitude, hein. Je viens de l'avoir. Faut quand même une certaine dextérité. Là, franchement, on vient en appui. J'ai essayé, ça marche super bien. Voilà, là, je vous ai présenté la machine. Mais on va pas rester sur ça. Moi, ce qui se passe, c'est que dans l'atelier, je manque un peu de rangement pour certaines choses. Et là, je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ce type d'équipement ? Ben, rien n'est. Je récupère une vieille boîte. Donc là, vous l'avez vu, hein, c'est notre marque que j'utilisais avant. J'ai plus la machine, mais j'ai toujours la boîte. Et on se dit, tiens, avec ces boîtes, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vrai qu'il y a des compartiments, tout ça. Bah là, je vais essayer. On va le faire ensemble, on va regarder. Je vais ouvrir le compartiment pour les vider. Le compartiment du haut, on va tout évider. Pour faire quoi? Ben, tout simplement, pour ranger mon matériel avec lequel je filme. On repeint tout ça. Allez, c'est parti pour ce projet.
Bien, bon, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Vous avez vu, j'ai fait ma petite boîte. Je vais pouvoir mettre mes deux appareils photo, les batteries et tous mes rangements. Voilà. Donc, vous avez vu, ce que j'ai utilisé pour faire toute cette réalisation, j'ai eu besoin quand même d'une batterie, une batterie chargée complète. Ça a pu faire l'affaire. Bon, ça prend du temps quand même. Hein. Je l'ai quand même utilisé pas mal de temps, hein, entre 4 heures, 6 heures. Hein. Le changement de là, bah, super intéressant, très très rapide, très très rapide. Franchement, j'en suis super content. Ça va vite à changer. J'arrive, j'enlève, je commence à prendre l'habitude. J'utilise celui-ci, le racloir comme cutter. Bon, franchement, je suis très très content de cet achat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. Si vous avez aimé cette présentation sur la machine Metabo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'activer la petite cloche des notifications pour me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !